À toutes et à tous, j'ai vu qu'il y avait Claire qui était parmi nous. Merci. Merci d'assister à la réunion annuelle des arbitres comme tous les ans. Alors, on est un peu moins nombreux pour la bonne et simple raison qu'on a moins d'arbitres. À l'heure actuelle, on est 155 arbitres par rapport à 191 l'année dernière. Claude, Daniel, c'est son frère, pardonne-moi. Claude, c'est sa famille. Donc, également, je salue également la présence de David Ouliez, président du CEF. Tout d'abord à Saïd Njemi, qui a, vous le savez, qui est arbitre de L1. Il a régulièrement des désignations sur le plan international, donc il mérite un grand coup de chapeau. Évidemment, il est pris tous les samedis, tous les dimanches, ils ont des occupations autres que les nôtres, mais il méritait quand même... nos salutations. Bravo aussi à Fred Cano, qui, je crois, c'est un garçon qui est encore très très près de nous. Il nous demande souvent de vos nouvelles et tout ça. Puis, grande nouvelle, c'est qu'il m'a écrit la semaine dernière, il est retenu officiellement pour l'Euro 2012 dans le trio arbitral. Toujours la feuille de match, les formalités, bref, qui étaient mal faites. Bon, c'est quand même pas, c'est une petite minorité quand même. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Non, mais c'est pour ça, je vais faire court. Et donc, on a préféré souvent, lorsqu'on tombe dessus, parce que je ne les épluche pas toutes, sinon ça passerait longtemps. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a des erreurs, on préfère vous faire une photocopie et vous expliquer que, voilà, il y a. Alors, si ça revient souvent, je garde les nombres. Si ça revient souvent, je considère que c'est chronique. Donc, c'est ennuyeux. Voilà. Mais sinon, non, le but est effectivement il est de la formation, parce qu'on y reviendra certainement après, mais c'est vrai que la feuille de match, c'est très important, surtout lorsqu'il y a des soucis et derrière des commissions du travail, la discipline, etc., de manière à bien juger ce qui s'est passé. On va avoir bien inscrit ça dans leur tête. Donc ils vont nous faire un rappel, c'est le même qu'on fait chaque année, mais vous verrez que cette année, il y a eu une petite évolution. Le rappel, c'est que la formation est statutairement obligatoire pour tous les arbitres. Rappel par rapport à la fonction d'arbitre assistant, ce rappel-là va se faire sur la base du support qu'on présente. Sur un match comme ça. Voilà. On va te suivre. Ouais. Je regrette de ne pas te voir. Franck, c'est important quand même que les arbitres de ligue viennent en réunion des arbitres de district. T'es là ce matin, ça t'apporte? Exactement, c'est ultra important pour les relations que tu gardes avec tes anciens collègues du district. Je suis toujours venu à ces réunions et ça permet aussi de garder une certaine convivialité dans l'arbitrage qui est très important. Je te remercie Franck. Content d'être là ce matin? Ouais, content de retrouver les arbitres de l'Odienne. Ouais, c'est bien que les arbitres de ligue viennent à la réunion de début de saison des arbitres de district, on est d'accord? Bah oui, parce qu'on fait partie d'un district, donc c'est tout naturel que les arbitres de ligue se trouvent ici avec nos collègues du 87. Allez, on suit cette réunion. Ok, merci. L'UNAF aussi présent aujourd'hui à la réunion de début de saison. Donc tu peux me dire combien il y a d'adhérents à l'UNAF? Actuellement, on totalise une cinquantaine d'adhérents à ce jour. Donc 28 déjà avant le début de la réunion, et là, le nombre assez important qui ont adhéré et qui prennent conscience aussi des difficultés et qu'il faut adhérer pour être couvert.